Eh bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons jouer à un jeu que j'ai trouvé formidable et j'ai nommé Adopt Me. Bon, pas besoin de vous expliquer c'est quoi Adopt Me, parce que tout le monde, la plupart des personnes savent c'est quoi. Bon, certaines personnes diront que c'est un jeu de merde, certaines personnes diront que c'est un bon jeu, mais chacun son choix. Ce jeu est vraiment réaliste et en plus, il y a plus de joueurs sur ce jeu que de joueurs dans Mad City, ok? Par comparaison, maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a 700 000 personnes connectées sur Adopt Me et 24 000 personnes connectées sur Mad City. Imaginez-vous les cas, c'est énormissime. Bon, faisons un petit peu la visite des lieux. Bon, là, j'ai ma caisse enregistreuse qui ne marche plus car... ça a été temporairement désactivé. Là, j'ai des... on va dire des amplificateurs. Et là, j'ai un petit panneau. En vrai, ça, c'est pas moi qui a fait. Et j'ai une piste de danse. Des rayons lumineux que je vais allumer. Et c'est moi, ma maison, c'est la maison des fêtes. Je vais vous montrer tout de suite. Maison de fête. Ouais. Donc ça c'est ma maison. Je pense que j'ai changé la couleur parce que bleu ça commence à devenir énervant. On va mettre golden. We love golden. Ok. Bon. On va faire un petit tuto pour vous aider à avoir autant d'argent que moi. Parce que comme vous le voyez, moi j'ai beaucoup d'argent. Ouais, j'ai beaucoup d'argent, je flex. En vrai, c'est pas énorme, 20 000. Bon, j'arrive même pas à allumer ceci. Allez, comment j'avais fait pour les éteindre? Ok, bon, présentement, ma maison, elle est décorée pour faire une fête. Et là, j'ai mon petit fond vert. Si je vais faire des petites miniatures, en vrai, je devrais pas parler parce que je sais même pas comment utiliser un fond vert, donc... moi je sais la plupart des youtubeurs savent, mais moi je sais pas, ça vous dérange? Ça vous dérange? Bon, on va faire une fête et je pense que s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent, on va arrêter. Non, on va pas faire de fête, on va faire une fête à la fin. Restez si vous voulez voir une grandiose fête. Oh, ça rend assez beau le golden. Je pense que je vais modifier mes paramètres et mettre la même couleur. Bon, là c'est... moi je trouve ça magnifique. Mouah, magnifique. Bon, je compte acheter, changer de maison. Je compte acheter cette maison, la luxury appartement. Bon, je sais pas s'il y en a un ici, mais bon, maintenant je vais vous montrer mon inventaire. Dans mon sac, j'ai un happy. Il est heureux. Bon, j'ai des pets rarissimes et lui, mais en vrai, pensez pas que j'ai acheté le raid pet, la potion de raid. J'ai juste trad ça comme ça à un mec qui a été très gentil de me le donner. Et j'ai aussi ce pet que je peux voler avec. Et juste ce Scooby que tout le monde peut avoir. Il peut fly et voler. Ok. Donc lui c'est mon préféré. C'est mon préféré en vrai. Je vais pas vous mentir. Bon. Pensons au pet. Ok, ça j'ai pas vraiment de modification. Modification. Je ne vais plus parler. Bon, nourriture, véhicule, j'ai ça. Et bien évidemment, c'est pas moi qui l'a eu. Je me suis fait donner, comme on me l'a donné tout simplement. On me l'a donné, c'est un légendaire, il coûte hyper cher. Ouais, et aussi, on va aller dans jouer. J'ai ça, rarissime. Mais ça, c'est passé depuis longtemps, je peux plus l'avoir présentement. Mais peut-être ils vont le remettre dans le jeu. Bon, on va... descendre parce que sinon j'ai sortir de la map. Bon, je vais vous montrer comment avoir le Scooby. Là il y a un dessin depuis tantôt et là vous cliquez dessus Scooby, mais moi je l'ai fini donc je peux plus le refaire. Mais sinon ça va vous montrer un chemin, vous passez par là. Pour ceux qui jouent à Mad City bien sûr, Adopt Me, je suis trop habitué à Mad City. Bon là après ça on peut venir là et là il y a cette mission et normalement il va y avoir un chien et vous devez le parler et là vous allez finir la mission, vous devez aller par là-bas. De toute façon il y aura le GPS, donc ça c'est très simple à faire. Bon, aujourd'hui je vous ai promis que j'allais vous montrer mes techniques pour avoir énormément d'argent. Bon,
assez d'argent pour vous acheter des trucs assez cool. Bon, première technique, quand vous jouez et que vous essayez de farmer l'argent, tout le temps, vous mettre en bébé. Parce que les bébés, ils ont leurs besoins et plus vous mettez votre animal de compagnie, donc là vous aurez deux fois plus de besoins. Bon, je sais, tout le monde connaît cette technique. Cette technique, comme dirait Furious. Tout le monde la connaît, mais par contre, certains nouveaux ne la connaissent pas et ça aide vraiment pour avoir beaucoup d'argent. Bon, deuxième technique. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer pour avoir beaucoup d'argent? Et aussi, je sais pas, mais chaque genre 10 minutes, 5 minutes, non, je crois que c'est 10 minutes, vous allez avoir un cadeau encaissé de Adobe parce que vous jouez, donc vous allez avoir ça et là vous le récoltez. Et si vous voulez, vous pouvez laisser votre écran comme ça et vous jouez. Donc, ça, moi je trouve que c'est la meilleure des façons pour farmer de l'argent sans vraiment jouer à ce jeu. Vous pouvez mettre deux pages. Présentement, je peux pas vous montrer parce que sinon ça va arrêter mon record parce que je l'ai mis pour que je record juste mon jeu. Comme ça, si je change de page, ça stop. Bon, comme vous le voyez maintenant, j'ai Arthur et Slot. Donc, vous avez deux fois plus et vous gagnez deux fois plus d'argent. Comme là, je vais gagner 24 en faisant celle-ci. On va la faire. C'est la priorité. Bon. Et aussi, je pense que bientôt ils vont, je crois que bientôt ils vont remettre les caisses enregistreuses et là vous pourrez vraiment, vraiment demander de l'argent. Vous faites des fêtes et là vous, je t'ai pas permis toi. Tu veux être ma maman? Et là, avec des caisses enregistreuses, tout le monde le sait déjà, mais je dis quand même, vous pouvez demander de l'argent et dire aux gens de vous donner de l'argent. Ouais, vous pouvez demander aux gens de l'argent. Ça, c'est un point positif. Bon, on va attendre que elle enlève son pet pour pouvoir mettre le nôtre. Et comme vous voulez le voir, j'ai encaissé 20 dollars parce que j'étais en train de jouer. Bon, je pense que là, elle commence à m'énerver, donc je vais partir. On va faire quelque chose d'autre. On va aller à l'hôpital. Non, pas à l'hôpital. On va aller à la balançoire. Et je vais vous montrer mon pet qui vole. C'est une bonne occasion pour nous montrer. Je parle comme un nerd, je sais. Je fais qu'est-ce que je veux. Bon, on va pa aller par là-bas. Et ouais. Bon, là, je vais déménager. Donc, compromis, il y aura mon micro qui va venir bientôt, bientôt. Je peux pas encore vous dire la date, mais il va venir bientôt. Bon, là, dès que vous êtes arrivé, si vous l'enlevez et que vous le remettez, il garde toujours ses besoins. Et là, vous pouvez toujours faire ses besoins et vous transporter beaucoup plus rapidement. Là, il y a une porte. Je sais pas c'est quoi. On va entrer. What? What? Comment je peux pas entrer? Téléporte au. Oh! Je pense que c'est encore un passe. Il y a tellement de passes dans ce jeu. Sérieusement, je vais juste vous montrer tous les passes. Ok. Ça, c'est les nouveaux passes. Et là, vous aurez tous ces passes, tous ces passes, tous ces passes. Il y a tellement trop de passes. Moi, je trouve que les passes, ils ont un petit peu abusé. Mais ça, c'est mon point de vue. Vous pensez ce que vous voulez. Bon, on va passer. Bla, 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 bla. Ok. Bon, on va aller là. Bon, les amis, maintenant, on va aller dans l'hôpital. Ouais, on va. C'est la meilleure des choses parce que je pense que elle a sûrement fini. Et si elle n'a pas fini, je vous dis, je rage. Ok, elle a failli tâter de ma colère. Bon, je trouve que le doré, ça, c'est vraiment beau. Ça fait un petit peu côté richissime. Bon, c'est vraiment cool, moi je trouve. Et aussi, si vous avez un pet, ouais, ça rend tout beau, moi je trouve. Mais après ça, c'est une fois de plus mon avis.
Vous n'avez pas besoin d'avoir le même avis que moi. Bon, là, je vais le pick up parce que moi aussi, je suis malade. On va monter. Oups. Bon, ok, on va monter sur ce truc. Moi, je suis malade. Allez, guéris-moi, guéris-moi. André, c'est mon animal qui me guérit. Il fait quoi là? Wow. Il me guérit. Il fait une potion magique. On va appeler cette potion là oula. On va monter sur tes épaules. Bon, maintenant on va aller dans ma maison et une autre technique pour aller beaucoup plus rapidement. Si vous voulez aller dans votre maison, vous avez juste à vous réinitialiser. Et bam, vous arrivez directement dans votre maison, mais votre pet dispone et une fois de plus, vous le rééquipez. Et là, vous pouvez l'équiper. Bon. Bon, moi j'ai un jacuzzi. Oui, je flex, je suis riche. I'm rich. Bon, on va se faire un petit kiff et on va s'acheter le fameux, je sais plus écrire arbre, le fameux money tree. Tain. Tain, tain, On a acheté le money tree. Bon, je vais le placer correctement. On va le placer correctement. On va le placer à côté de mon pigment, ça va, je trouve. On va le placer comme on le veut parce qu'il nous appartient. Ça nous appartient. Bon, si on récolte maintenant. On gagne 8. Si on récolte maintenant, on gagne 0. Si on récolte maintenant, on gagne 0. Bon, ça prend un petit peu de temps. Bon, présentement, Slot veut dormir. Tu veux dormir? Tu vas dormir. Dors. Vas-y, dors. Dors, dors, dors. Bon. Slot, moi, j'ai pas d'occupation ou quoi? Ok. Tu as faim? Tu vas manger une pizza. Tu sors pas, t'es en confinement, c'est pas vrai, tu vas sortir après. Bon, toi tu vas entrer. Ok, bon. Aussi, je tenais à vous dire si vous me voyez dans des jeux et que vous voulez devenir mon ami, bah, me demandez pas un friend request. Abonnez-vous à mon profil. Là, vous pouvez me rejoindre. C'est presque la même chose que ami. Ouais, c'est presque la même chose. Sauf que vous pouvez pas me parler. Ouais, c'est juste ça. Bon, on va boire de l'eau. Non, on va prendre un petit peu d'eau pour Slot. Slot, pick up. Feed. Et pendant ce temps, moi, je vais. Slot, il n'a pas fini de dormir. Slot dort. Ok, bon, moi je peux pas dormir là parce que je suis un parent. Je suis un enfant, pardon. Bon, Slot, on le pick up et nous on pourra dormir. Allez, dors. Et ça risque d'être lent. Ça risque d'être lent. Bon, je pense qu'on va se faire une petite famille. Et ouais, on va se faire une famille. Ça va être beaucoup plus amusant. Oh les amis, je me promenais pour me faire une famille et j'ai trouvé la luxury appartement. Bon. On va la scruter parce que c'est elle que je compte acheter. Donc là, il y a une place de garage, une place de garage. La porte est verrouillée, malheureusement. Ma vie est triste. Bon, je vais me retrouver. Je vais me trouver une famille et on se retrouve juste après.
Oui. Ouais. Bon, les amis, c'est vraiment, vraiment, vraiment dur de se faire une famille. Donc, je pense qu'on va rester solitaire. Solidaire, comme vous voulez. C'est triste. C'est triste. Triste. Bon, on va aller boire de l'eau. Qui a besoin d'eau? Ok, Slot a besoin d'eau. Slot, t'as toujours besoin d'eau, toi. T'as toujours besoin d'eau. Allez, on va te feed. On te feed et là tu pourras plus rien dire. T'as besoin d'une douche? Ok, viens. Tu vas prendre une douche. Tu vas prendre une bonne douche. Une très grosse douche qui va t'énerver complètement. Bon, ah, oui, c'est vraiment juste cool selon mon avis. Ouais, moi je trouve ça cool. Bon. Bon, on va prendre une petite douche et on va aussi se laver les mains. On va se laver les mains parce que se laver les mains c'est très important, les amis. C'est très important. Là, tu vas prendre une petite douche. Moi, je vais prendre une petite douche. Et ensuite, là, tu vas boire de l'eau et moi, je vais boire de l'eau. Et ensuite, bon, ensuite, après ça, qu'est-ce que tu vas faire, Slot? Vous voulez aller à l'école? Ok. On va aller à l'école juste après. On va aller à l'école. Tu es assoiffé. Ok. Slot, veux-tu manger? Oui. Slot, tu veux manger. Donc, tu manges Slot. Bon. Là, je me demande. Attends. On va voir quelque chose. Posting. Je me demande. Foreground. Foreground, c'est après le posting, je crois, selon moi. Bon, qui est-ce qui a soif? Moi j'ai soif, donc on va prendre un petit verre d'eau et là on va aller s'acheter un cadeau et voilà, vous avez, on a reçu 20 $, pay to the order of 20 $ AM bucks pour jouer à Adopt Me. Là vous avez juste à faire encaisser, ça c'est très simple, tout le monde le sait. Et là vous gagnez votre argent. Bon, je crois qu'il a assez mangé. Je sais que je sais pas si je peux changer son nom. Non, je peux pas changer son nom. Mais dites-moi dans les commentaires comment vous voulez que on appelle mon joyeux pet. Dites-moi dans les commentaires comment vous voulez que on l'appelle. Présentement, on l'appelle Slot, qui veut dire paresseux sûrement. Et j'aimerais bien lui trouver un petit nom. Un petit nom bien sympathique, donc ouais. Attendez, on va juste faire ça et on va changer. Bon, on va aller dormir. Bon, j'avoue que j'ai pris assez beaucoup de temps. Donc ouais, j'ai pris énormément de temps. Pour trouver une façon convenable d'écrire mon nom. Bon, je vais aller me prendre une douche, une douche, une douche, une douche. Et combien j'ai pu récolter d'argent? 8 $. Moi, je trouve ça bien. Sérieusement, sérieusement, je suis pas en train de vous mytho, je trouve ça bien. Avant, c'est un petit peu nul parce qu'avant le pool party, il donnait 36. Donc, quand t'avais le pool party, je peux te dire que t'étais refait. T'étais complètement refait. Mais maintenant, il donne que 12 et max 24. Cela, je vais le faire dormir. En vrai, ce truc, je vais le prendre. Je vais le vendre. Je vais le vendre s'il continue. Je t'observe pendant que tu dors. On t'observe pendant que tu dors. On t'observe pendant que tu dors. Ok, t'as fini de dormir. Donc tu te lèves.
Tu te lèves et moi je dors. Bon, on va aller ici au pool party parce que le pool party ça risque d'être vraiment cool parce que d'habitude les tâches comme ça, des besoins, des personnes l'ont presque en même temps. Ouais, ils l'ont presque en même temps donc. Ça va être cool parce que les personnes n'ont presque en même temps. Et pour se rendre au pool party, on va prendre mon véhicule, le Santa. Je ne sais pas c'est quoi la suite. Le Santa Switch. Waouh! Comment je vais se bloquer? What the... Bon. On va passer par là parce que nous on est des gangsters. On entre et on passe. Bon. On va passer, on va aller au pool party et devinez quoi, le truc hyper cool avec ça, on peut voler sur l'eau. Ça c'est tellement cool et nice et c'est un gros point positif pour ce véhicule très légendaire. Moi je le trouve hyper cool, c'est vraiment cool de pouvoir conduire sur l'eau. Moi je trouve ça assez stylé. Chillé, c'est assez chillé. Mais t'as soif? T'as réellement soif? Je suis pas sûr que t'es soif. Je suis pas sûr. I'm not sure. Eh, viens ici. Pool party! Youhou! Cool. Allez, vol. Oh. What? C'est quoi ce... On dirait un ascenseur carrément. On dirait que je lag. Ok, je me suis bloqué une fois de plus. Mystery, Machina, Machina. Wow. C'est gros. C'est vraiment gros. Bon, on a fini le pool party et on va aller boire de l'eau. Et je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, parce que aujourd'hui on a fait beaucoup de choses très intéressantes, comme vous montrer quelques glitches, on s'est amusé, on a fait quelques petits lags, on a passé bref 31 minutes ensemble, c'est énormissime, pas du tout. Bon, feed, mais en vrai 31 minutes, mais après au montage ça va donner beaucoup, 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 beaucoup moins. Je vais retomber dans les 20. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous car ça m'aide énormément dans ma chaîne. Je sais que la plupart des personnes sont déjà parties parce que dès que je dis bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo, tout le monde part. Mon watch time, il fait boum. Bon. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et le plus important qui m'aide à me soutenir, quand vous juste cliquez sur ce bouton, ça me soutient, c'est de vous abonner. Quand vous faites ce petit geste qui a l'air insignificatif pour vous, moi, c'est très significatif et ça m'aide énormément. Sinon, c'était moi. Ciao, ciao!